Et qui épouse Claudel, ah, c'est un nanaqueur, mon frère. Un inconscient et un manipulateur. Je te dis, tu n'es le gars là comme ça, c'est un vendeur de rêves, un vendeur d'illusions. Je suis arrogant et prétentieux, ignorant et redoutable. Je mets en mal les plans de Dieu, car je prêche au nom du diable. Je détourne la jeunesse africaine. Tous les jours avec mes fables, je propage des messages de haine. Conseil odieux et exécrable. Essaye de parler la bouche fermée. Tu vois qu'enfin c'est préférable. À un moment il faut la boucler. Tu vois qu'au final tu es valable. Comment peut-on être si ignorant et ignorer son ignorance? À un moment il faut la boucler. Nos oreilles sont en souffrance. N'abandonne jamais. Même si tout le monde te tombe dessus, n'abandonne jamais. Même si tu bouffes des tontines, n'abandonne jamais. Progresse, deviens la meilleure version de toi. Tu ne feras jamais l'unanimité, c'est sûr. Tu seras parfois rejeté, mais qu'importe ce qui arrive. Reste debout. Si tout le monde veut te rejeter, n'oublie pas que rien n'est au-dessus de toi. Même si des barrières t'empêchent d'évoluer, prends le temps de construire et d'avancer. De mot à mot, n'abandonne jamais. Et nana la ignorants, sans ignorer les mêmes choses. Ces jugements au fil du temps ont troublé pas mal de choses. Claudel a fait ci, il a fait ça. J'étais au bord du suicide. Pourquoi nos proches nous font ça? Maman, t'avais pas de spermicide. Aujourd'hui, du fond de ta tombe, je voudrais te dire merci. Au quotidien, ils veulent que je tombe. Ton éducation qui m'éclaircit. J'ai souffert comme tout le monde, bravé des hauts, bravé des bas. Tu me disais toujours mon fils, dont la vie n'abandonne pas.